Bonsoir tout le monde, c'est Azilis qui revient pour vous faire part de sa toute dernière lecture. J'ai récidivé dans le vice de la BitLit et il s'agit du tome 8 de la confrérie de la Dague Noire. Je fais une pause après, promis, j'ai beaucoup moins d'envie de trucs extrêmes et voilà, et futiles, donc je vais progresser dans mes lectures, promis. Je vais arrêter de vous parler de choses complètement futiles. Enfin, ou quoi que, j'en sais rien, mais bon, je vais sortir un peu du registre vampire un peu hard. Donc, ce tome 8, un tome très attendu pour ceux qui connaissent la confrérie. Il s'agit du tome qui concerne John Matthews and XX, qu'on découvre qui s'appelle XXania. Et voilà, c'est. Il répondra à toutes vos attentes, je vous assure. Vous avez raison de l'attendre avec impatience. Il vous comblera dans tous les domaines. Comment vous décrire? Sans spoiler, bien sûr, sur les tomes précédents, d'autant que le tome 6, je crois, arrive en France en octobre. C'est ouais, voilà, une info qui est sortie par Milady. Donc du coup, voilà, John Matthews qu'on découvre en mâle de valeur, on l'a connu pré-trans, avant sa transformation en vampire, et voilà, on l'a vu devenir adulte, et là, il est... comment vous dire? Non, on le découvre un peu sauvage, un peu primaire. Comment dire? Il a du colère en lui. Tout à fait. Non, par contre, ce qui est très intéressant avec le personnage de John, c'est que on nous fait part aussi de toutes ses origines, et y compris de l'histoire de Darius, le premier frère qui décède dans le tome 1, et donc qui est son père, et donc voilà, on a toute une narration voilà, de cette histoire de ce frère bien particulier qui, malgré son absence, a sa place dans l'histoire de la confrérie et dans celle de pas mal de personnages. Et voilà, du coup, toute cette histoire prend une connotation vraiment différente et une couleur toute particulière sur ce tome-là. Et voilà, avec l'histoire de John qui a été en plus élevé par Torment et tout ça au moment de sa transformation. Voilà, il y a vraiment des ficelles d'émotions qui, par ce biais-là, sont très belles, de très belles histoires. Et XX, voilà, a une femme, a une sacrée nana. C'est fou, une fois qu'on n'a pas une femelle qui chiale à longueur de tome, qui s'émeut, qui veut des robes, qui veut des trucs. Enfin bref, non, je caricature, mais non, là, pour le coup, on a XX qui est une vraie guerrière, c'est une warrior la nana, et pour un peu qu'elle ressemble de près ou de loin à quelque chose, voilà, de la fille romantique, oulala, ça va pas du tout, il faut qu'on remette absolument tout dans l'ordre et on reprend les distances. Donc voilà, ça va être toute la difficulté pour ces deux-là à s'accepter, enfin, John, lui, ça fait très longtemps qu'il a accepté XX comme sa douce. XX, là, par contre, pour elle, c'est vraiment pas logique, c'est pas quelque chose qui coule de source, et c'est un personnage qu'on voit évoluer de manière vraiment particulière, et bizarrement, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé son personnage, j'ai beaucoup plus appris sur la nature sympathe par le biais de XX, qui est demi-sympathe comme Revenge, le précédent tome, mais là, ça m'a vraiment plus parlé, je sais pas pourquoi. En tout cas, ce tome m'a comblé. On continue de suivre Lash, enfin Fléau, Blaylock et Quinn. Je ne vous dis rien là-dessus, absolument rien. Je vous laisse découvrir le cadeau que nous fait l'auteur. Et oui, c'est un tome où l'action reprend toute sa place, notamment parce que les deux personnages principaux sont des warriors et des guerriers vraiment de première, John comme XS. Là-dessus, franchement, les autres, ils sont tout queues dans leur cuir. Ils ont du souci à se faire. C'est John et XS les meilleurs. Et donc c'est eux qui vont gagner la guerre. Et non, j'en sais rien en fait du tout. J'ai pas encore lu tout ça. Donc ouais, John, c'est le plus beau. John, c'est le meilleur. C'est le plus fort. Il a zéro défaut.
et parce qu'il est muet, et ben ça lui donne une sensibilité et une émotivité qui est tout autre. Et il y a des choses très, très 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 romantiques. Voilà. Je vous en dis pas plus, mais oh, le petit cœur de Midinette, il a palpité. Et John, c'est mon héros, c'est le meilleur de tous. Tu peux tous leur tarter la gueule parce que c'est toi le plus beau, c'est toi le plus fort, c'est toi le plus costaud. Parce que chez toi, où que tu sois, tout est étroit. Et je sais même pas si ça vaut le coup de lire la suite. Une fois qu'on a connu John, je crois que... Bon, si, juste aller pour le plaisir. Et parce qu'il n'y en aura qu'une de confrérie comme celle-là. Donc, voilà. C'était ma petite impression sur John Matthews. My lover.